Séverine est infirmière en réanimation en région parisienne. Elle est arrivée hier soir dans le Lot avec son mari David et leurs trois fils. La famille va passer une semaine de vacances dans l'une des résidences d'artistes des Arcs sans avoir à débourser le moindre euro pour la location. Une initiative du maire du village qui souhaitait faire un geste en faveur des soignants mobilisés dans le cadre de la pandémie de coronavirus. On a eu la chance d'avoir donc les gîtes de libre, malheureusement parce qu'il y avait ce Covid. Et donc on a décidé de proposer cela au service hospitalier de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges. Une parenthèse bienvenue pour Séverine après des mois éprouvants physiquement et psychologiquement. Pendant le Covid, on était dedans, dans une espèce de rythme infernal qui nous empêchait un peu de réfléchir. On travaillait de manière automatique à faire les choses. Et puis une fois que les choses se sont arrêtées, c'est là qu'on commence à réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'on a vu, à la difficulté de tout ce qu'on a vécu, des prises en charge de patients, tous les décès, les choses difficiles. Et oui, il y a une espèce d'envie, en tout cas pour moi, là, de sortir là, de la région parisienne, de faire une vraie coupure. Essayer d'oublier ce vécu difficile, se ressourcer, retrouver un rythme de vie normal, pas facile pour les soignants, alors que plusieurs départements enregistrent une reprise de l'épidémie de Covid-19. On sait que du jour au lendemain, on peut être à nouveau dans une organisation d'hôpital avec une augmentation du nombre de patients Covid. Donc c'est des choses qu'on a déjà intégrées avec éventuellement des rappels de personnel sur leur congé. Une perspective à laquelle Séverine préfère ne pas penser pour l'instant afin de profiter pleinement de son séjour dans le Lot.